Amis du jour, bonjour! Alors pour une fois, je fais la vidéo d'introduction, bonjour, sur la fin de la sortie, la descente. En résumé, on a fait une sortie, on a suivi une trace Exaride. Alors pour ceux qui ne savent pas, les traces Exaride, c'est les sorties organisées par le magasin Exacycle à Château-Gaillard, à côté d'Ambérieu. Et voilà, on n'a pas été surpris de la difficulté du parcours. Il y a des singles bien engagés. Donc, ça a été fail sur fail. Mais voilà, c'était quand même amusant. Là, on est bientôt sur la fin, on est sur le retour là. Voilà, ça grimpait pas mal, il y avait des sacrées montées. Et puis voilà, quoi, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Jean-Luc? C'est quoi? Compliqué là, c'est peu de le dire. T'as pas fait des stop and go, t'as fait des stops. Stop et pas go. Disque d'or, ouais, c'est ça, le disque d'or. Enfin, vous comprendrez peut-être plus tard l'histoire du disque d'or. Parce que la sortie a failli être beaucoup plus courte que prévu. Donc voilà, la sortie difficile. Par l'engagement qu'elle demande sur certaines portions. Hein, on a fait la Blaireau, on a fait la Sherwood, Upper Tough Line, Lower Tough Line. Et puis là, sur les grands gens, c'est que dalle. Et c'était balèze, c'était franchement balèze. Et on n'est pas au niveau, c'est clair qu'on n'est pas au niveau. Mais bon, on s'est amusé, j'ai fait des frayeurs beaucoup, mais c'était cool. Allez, voilà, on commence à attaquer un petit peu plus pentu. On est à environ 6 km de la Blaireau, la spéciale de la Blaireau. Il y a encore 400 mètres de dénivelé à faire avant d'y arriver. 400 mètres en 6 km. Ça va, 6-7% moyenne. Mais je sais qu'à un moment, ça va monter très 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 fort avant, bien sûr, la Blaireau. Et là, je suis en PLS. Attends, je vais me carrer. Pour une fois que des filles me courent après. Trop fortes les filles, trop fort. Voilà, j'ai ravalé ma fierté. C'est bon, je peux mourir en toute discrétion. Oh, on s'est fait déposer. Je comprends pourquoi les gars d'Exaride, ils terminent leur Exaride dans le magasin. Parce qu'ils disent aux gars, bon, aujourd'hui on fait une Exaride facile à niveau débutant. Et il faut arriver devant le magasin. Alors c'était comment? T'as quoi comme VTT électrique? Viens voir copain. Viens voir copain. J'ai un truc pour toi. Bien joué les gars d'Exacycle, super. Partie difficile. Enfin, une première, non, une xème partie difficile. Ah, ça commence à causer là. Et étonnamment pour l'instant, alors je sais pas si le soleil fait que le moral est bon et du coup bah le physique y suit, mais en tout cas pour l'instant je suis étonnamment bien sur ce genre de montée. Je vais lâcher l'affaire parce que là là ça grimpe. Ça m'apprendra à l'ouvrir trop tôt. Ouais, je suis en forme. Tiens, pan. On arrive au départ de la Blaireau. Ah, j'ai super chaud. J'aimerais bien enlever ma veste. Mais comme je risque de finir par terre, je vais peut-être la garder. Hein. Allez, on commence ce paysage bucolique. Ah, bah attends. Par de belles jonquilles. Ah là là. On reste la caméra parce que maintenant, du coup, ça va descendre. Alors, oh déjà, ça commence. Ça s'est entendu que je me suis chié dessus. Cool, ça remonte. Pourquoi il y a des troncs d'arbres de partout? Oh!
Oh non. Moi j'ai peur, vas-y. Fais le malin. Ah non, j'ai pas le vélo pour faire ce genre de petits sauts, moi. C'est tellement pourri, ma fourche est tellement naze que... Comment? C'est ça? Faut qu'on s'arrête, hein. Ouais. Salopard. Oh, allez, ce bruit de casserole. Ah, mais faut pas s'arrêter juste avant un virage comme ça. Oh, mais je suis nul. Hop là. Ça se voit que j'ai peur. Oh putain, non, mais là je me flippe. Ah. Hein? Non, je me suis rattrapé. Non, non, il n'a rien vu. Il y a une marche là. Ah. T'as vu comme on n'est pas bon? En fait, il faudrait lâcher du frein, mais putain, ça va. Ça va pas le faire avec mon vélo pourri. Hein. Oh putain. Il y a des mecs qui vont vite là-dedans. Oh là là. Bah, chapeau les gars. Oh putain. Oh. Comme je suis sur les freins. Oh la vache. C'est chouette hein, mais putain, faut avoir du niveau que j'ai pas. En fait, je sais pas trop prendre de vitesse parce que je me fissure en fait. Oh. C'est marqué, hein. Oh, oh. C'est bon, j'ai envie que tu suis. Oh, ça descend. Oh, je suis à fond sur du frein, ça freine pas. Eh. Putain, je me suis râpé la chatte. Je disais, je suis plus qui sur Winter Activity, je crois. Oh là là. J'y vais là, ouais, j'y vais. Oh, je me suis chié dessus tout le long. Lâche tout. Ah, nom de Dieu. Oui ou non? Bah non. Non, non. Ça continue ça. Ça. Non, 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 mais moi j'y vais pas. Hein. Non, non, non. Je vais pas pouvoir m'arrêter en bas. Tu te sens? T'as défi, mais non. Non, non, non. Moi non. J'ai peur. Ah putain, c'est chaud. Fais hyper gaffe, t'es un caillou là. Ouais, t'as raison, il faut y aller. Hein. Prudence et merde de sûreté. Et si tu tombes, choisis un côté. Il n'y a pas de honte à pas le faire. Seine-Saint-Denis style. Prends ton congé, il est par balle. À base de pop, 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 pop. Ben, bien joué, ce que moi j'ai posé. Ah, bien joué. T'as fait de la merde aussi, hein, mais... Rodriguez ! Ça va ? Je l'ai presque en vidéo, celle-là. Bon, bah finalement, je vais la faire à pied. Ah, je disais, ah, c'est bon, je vais y aller, là. T'as quoi ? Si tu t'es pas fait mal, on peut en rire. Fais un tour, non, je sais pas. Oh la vache, elle était belle. Eh, avec un peu de chance, j'ai ma vignette. J'en ai pas fini. Bon bah voilà d'où. Voilà les 15 premiers mètres. C'est vraiment chaud. Hein. C'est vrai, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est vraiment trop chaud. Je suis pas du niveau. Hein. Voilà, non. Résultat de la gamelle. Un disque. Tu peux coucher le vélo. On va peut-être aller plus bas pour essayer de le réparer. Et un disque. Un. Ça se prend bien. C'est surtout ça. C'est la sortie qui est morte. Ouais, c'est, ça, c'est con, c'était la première descente. Ouais. Là, c'est bon. Il y a du mieux. Ouais, mais bon. Le disque arrière de Jean-Luc est plié. On a essayé de le redresser un poil histoire de finir.
Et puis, nous, pauvres amateurs que nous sommes, on va essayer de galérer. On va déjà galérer pour redescendre en bas, là. Et du coup, la sortie, j'ai peur que c'est terminé. C'est con, c'était la première descente. Pour autant, je suis en vélo, celle-là. Youhou ! Ça roule ? Ouais. Essayez de le chauffer pour le rendre un peu plus malléable. Et voir si après on peut pas le remettre un coup de pince. Qu'est-ce qu'il me dit ? Hop, merde ! Je regarde ailleurs et voilà. Le taré, il y a des jumps là. Le taré ! Youhou ! Voilà, c'est plus mon niveau, tu vois, c'est presque plat. Après, ah putain, j'ai regardé, il fallait pas. Ça tabasse en tout cas. Ça a l'air bon. On va déjà tester pour voir. Ça a l'air freiné. En fait, tu sais quand ça va bloquer. C'est quand ça va être sur la partie toute tordue. Avec ton nouveau vélo là, tout neuf que tu auras bientôt là. Ouais. Quand tu l'as commandé chez Altaïa là. Altaïa. La première semaine, 5 freins. C'est ça. La semaine 2, le disque arrière. Tiens, dans ta gueule. Ça fait du bien de rouler comme ça. Bon là ça monte hein. Et Jean-Luc, ses freins, ils sont pas assez tordus. Enfin, on les a trop bien redressés. Parce que bon, bah voilà, ça monte, il est toujours devant. C'est désespérant. Tu l'as vu la vidéo de Captain Buget sur le Burst des Rides là ? Ouais. Celle qui a servi à faire ce tracé là. Et bien en fait, l'arbre où tu as chuté, il y a un mec qui fait exactement la même. Non, mais la copie conforme. Le même arbre en plus. Il était là à l'affût. Merci Captain, c'est à cause de toi qu'on a tordu le disque. Puis je comprends, tu vois, en vidéo, on ne se rend pas compte que ça descend. Mais la pente, ouais, laisse tomber, c'est un mur le truc. En fait, ouais, en fait, l'arbre, là, l'arbre piégeux, l'arbre taquin, on va y retourner, on va mettre un autocollant Exacycle dessus. Ils sont malins les gars, chez Exacycle. Ils sont bien joués les gars, bien joués. C'est ça la montée. C'est devant, faut aller, mais alors, quand je vois ça, je suis au quart, je suis déjà mort, j'ai posé le pied. Voilà. Le château des Alimes et la montée devant, je suis en train de pleurer, je vous le dis. Bon, on est arrivé sur le départ de la Upper Tough Line. Je sais pas ce que ça a donné, on a déjà pété un disque sur, sur la blaireau. On est passé pour deux blaireaux, hein. C'est ce qu'on se voit là, ouais, c'est les gars. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on fait une petite pause parce que la montée qui était juste là, bonjour. Hein. Mise et la misère, moi j'ai marché les trois quarts. J'ai essayé un petit peu à des moments à la pédale, mais j'ai rien dans les jambes. Bon, allez, messieurs, je vous retrouve dans un instant en train de pleurer parce qu'on va faire celle-là. Misère. Voilà, c'est là le Upper Tough Line. Il y a la sirène des pompiers déjà. C'est bon. Ouais, ça va les gars, ça va, on n'est pas encore parti sur la ligne. Putain. Il met déjà en route les secours, on est mal. Tu crois qu'il y a des airbags sur les arbres? Allez, Nakakamura. J'ai peur. Quand on connaît pas, en fait, c'est le bordel parce qu'on sait pas où c'est qu'il faut y aller. Oh, c'est sympa ça. Je suppose que c'est là. Ah, bah oui. Admirez mon style franco. Je vais descendre des rapports parce qu'on n'est plus en montée là. Oh non, 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 moi j'ai peur. Bah, c'est une putain de marche de 1 mètre. Non mais j'ai pas le niveau les gars. Ah, moi je peux pas ça. Surtout avec mon vélo. Je dis pas avec un beau vélo. Quoique non, je chierais dessus pareil.
Bon, en commentaire, vous pouvez dire que je suis une merde. Hein. Ah, ah putain, déjà là. Ah. Oh là. Il y a un arbre et puis j'ai cassé ma vitesse, du coup c'est la merde. Ah, c'est bien, en lâchant le frein à l'avant, hein, ça accouche un peu. Si seulement j'avais moins peur. Oh. Ah, c'est de la rigole, là, faut être pile poil. Ça, je m'en fous, ça, je peux y aller. Ça. Voilà. Les mêmes marches, mais moins violentes. Je suppose que c'est là, j'en sais rien du tout. Ah. Hop là. Tu passes devant, non? C'est le ballon, il est pas tombé. Ouais, t'es pas violente. Je suis même pas sûr qu'on soit sur la bonne trace. Si, si, c'est là. J'ai cassé ma vitesse. Et ben voilà. Neustern. Ah non, non, non. Ah oui, je me souviens, ça. Oui, oui. Neustern, non, j'ai pas. Oh, putain, c'est du sable. C'est du gravier. Fais le malin, toi. Vas-y, vas-y. Merde. Vas-y, montre, Joe la science, avec la racine en plein milieu, là. Eh merde. Ah, c'est costaud. En fait, c'est con, parce que dès qu'on s'arrête, on est dans la mouise, parce qu'il faut relancer le bordel. Comme j'ai pas de vitesse, ça va. Y'a un drop, là, ou pas? Ah ouais, oh putain. Là, ah, loin devant, faut regarder loin devant. Ouh. Ah, c'est pas rassurant. Mon Dieu, oh non, non, là, non. Oh putain, mais c'est dur. Bon ben voilà, c'est la marche de progression que j'ai à faire. Elle est énorme, c'est plus une marche. Eh, ça doit être stylé de savoir passer ça. C'est chouette, hein, mais... Ah, oh, les gars qui débranchent le cerveau. Mais je crois que ça a passé l'âge, en fait. Ouais, aussi, on n'a pas commencé assez jeune. Maintenant, on va plus vite entre deux restos, puis entre deux points d'intérêt sur des descentes. Voilà, la partie que je préfère, c'est là où c'est facile. Enfin, presque. Ah là là, c'est dur. C'est super dur, les gars. On cherche la trace, c'est l'entrée de la trace du single de Sherwood. Et le GPS, en fait, il s'est complètement décalé. C'est bon, on l'a trouvé, enfin, peut-être. Je pense que c'est celle-là. J'ai baissé la selle, youhou! Travail manuel, c'est fait. Là, le petit jump, là, c'est pas pour ma gueule. Là, le petit. Hop, hop. Voilà, petit effort quand même. Venez, hop! Ouais, t'as raison, ouais. J'ai pas le niveau, je suis pas fou, j'ai encore ma conscience. Et comme on dit, ma lucidité. Tu vois ce saut là? Ouais, puis t'as intérêt à bien placer la ceinture. Tu peux avancer plus vite en fait. Parce que t'es bien gentil, mais déjà moi je suis pas rapide, mais toi c'est pire. Y'a un jump là. Ah ouais, non? Bah non. Je déteste les semi rigides. Ça claque de partout et ça tape les fesses. Ah, et puis le dos, tout ce qu'on veut. Ça, ouais, j'aurais pu. Ça monte là. Hop là. Désolé hein, si ça va pas vite, mais c'est comme ça. C'est où là?
Ah ouais, bah là. Tiens, 5780. Ah bah tiens, Jean-Luc, il est pas passé. Enfin, lui, il passe son vélo. Oh, 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 putain. Ah, je suis nul. Ah, je suis nul. Ah, puis là, forcément, il y a un... Voilà. Voilà, oula, oula, non, je refuse. Je vais dans mes souliers. Ensuite, mon vélo. Oh là là. On va vraiment paraître pour des noobs. C'est pas faux. Là, c'est la trace. Là. Youhou! Je pars de la Lower Tough Line. C'est Totof qui l'a dessiné. C'est un enfoiré, Totof. Ah, ça se trouve, ça serait plus cool, ouais, je crois pas, parce que vu la pente qu'il y a, fais voir. Et là, voilà, ça s'annonce comme ça. Voilà. Bon. Petit Jésus. J'entends pas ce que tu dis. Oh là, j'ai failli y aller. J'ai failli y aller. Vas-y toi, vas-y. Voilà. Ah mais moi c'est pas le vélo qui permet de faire ça. Parce que la réception, c'est peut-être le 602. Il y a un truc qui fait de ligne, bah c'est ma chaîne qui est déraillée, je sais pas si je m'arrête ou pas. Ma chaîne qui est déraillée, je l'arrête. Ça a bloqué là, bah oui, c'est mon pédale. Ah. Ok, je repasse devant, bon ok. Ah, il est fort là. Follow the guide. Oups. Ouais. Pour l'instant, faut préciser qu'il est pas mal. Oui, effectivement. Attends, un piège à con, ouais. Hein? J'aurais pas dû m'arrêter. J'ai été con là. Parce que ça, tu vois, ça va passer à tous les coups. Ouais, j'ai pas dû m'arrêter, bordel de merde. Oula, c'est creusé. Hop là. Hop là. Ah, les racines, ça. Je vois que j'ai pas trop bouillé. Là, je me sèche, tant mieux. Et sinon, les racines, là. Allez, je me suis laissé embarquer. C'est où, là? Ah, dans le trou. Je suis dans le trou. Elle est pas mal cette ligne. Elle est plus accessible que les autres. Il y a quoi derrière? J'en sais rien. C'est quoi ça? Bon, ça doit passer ça. Ah! Ouh! I'm alive! Hey! Ami du jour, rebonjour. Là c'est pour le couper la vidéo. Sur ça, merci d'avoir regardé. Et puis nous on va aller au ravito. Ça va être bon ça. Il y a du gras. Et le gras, c'est la vie. Ciao à tous. Merci d'avoir regardé.